Doc a laissé un message ? Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 8 sur Spider-Man. Comme d'habitude, on va se retrouver une demi-heure ensemble, donc n'hésitez pas à prendre de quoi boire et pourquoi pas de quoi manger. Et on a quelque chose ici, pardon. On a entendu des démons parler. Quelle est donc cette sombrerie venue d'ailleurs ? Ok, ok, ça m'inspire pas confiance. C'est lui là qui crie à l'aide. Les démons sont plus dangereux que Fisk l'a jamais été. What ? Il y en a en pleine rue, c'est ça le crime 2.0, bordel ? Ok. Yo. C'est ce qu'on appelle du one-shot, hein. Les enfants, puisque vous n'êtes pas gentils, je vous confisque vos jouets qui font bobo. Oh, 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 il a pris sa part. Ok. Ok. Ça. Ça dégage. Ça. Ça dégage. Et lui, il dégage aussi. Il est un peu plus résistant que les autres, celui-ci. Ok. Regardez, regardez ces bolos. Alors, les gars, c'est fou. Mais lui, au moins, il aimait New York. Les démons, eux, on dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. Bon, direction... Pardon, je me suis encore trompé de touche et de terrible. Direction la quête principale. Avant cela, on va voir un petit peu niveau tenue. Qu'est-ce qu'on a de nous? Oh, on a une... Oh, la vache. Costume négatif. Très bien. Très, très bien. Costume de Stark. Ça... Ça, c'est le feu, par contre. En vrai, c'est le feu. Par contre, il me manque un jeton de base. Ça, c'est assez terrible. Il me manque beaucoup de jetons de base, finalement, quand on y pense. Très bien, je peux quasi rien prendre pour le moment. Peut-être pas intéressant encore. Par contre, c'est niveau compétences que là, ça va être très intéressant. Étant donné qu'on a 3 points à dispenser un petit peu à gauche, à droite. C'est parti. Lorsque vous projetez un ennemi, appuyez rapidement sur triangle pour continuer à le faire tourner. Je trouve pas ça très intéressant. Augmente la portée de l'élimination en hauteur. Je trouve ça très intéressant. Pour les phases d'infiltration, les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. Pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Appuyez sur carré lorsque votre coup touche un ennemi pour générer... d'accord. Ok, ok. On va prendre celui-ci, je pense. Ça me paraît pas mal. Coup parfait fait à présent partie des techniques. Très bien. Et boost de combo. Les combos élevés génèrent de la concentration plus rapidement. Ralentit le temps avant de recevoir un coup fatal pour vous donner une dernière chance. Ah putain, celui-ci vaut 2. J'aurais peut-être dû le regarder un petit peu plus tôt. C'est bien dommage. Bon, on va attendre. On va prendre celui-ci pour la prochaine fois. Et après, on va s'occuper un petit peu du lance-toile. Augmente les dégâts et la portée de la frappe de toile. Augmente les dégâts. Ouais, c'est pas mal ça aussi. On va prendre celui-ci, allez. Et la prochaine fois, dès qu'on en a 2, on prendra le sablier. Allez, on y va. On s'achètera un costume. On fera... aussi une base de Fisk pour pouvoir s'acheter un nouveau costume. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et s'ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu 2 cette nuit. Le boss est peut-être en tôle. Mais personne touche contre à ses affaires! Aigle 2, tout va bien? Aigle 2 au rapport. RAS. Quel genre de plan que cherchent les démons? Oh la vache! Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Beaucoup de détritus par ici. C'est tellement stylé. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Laisse-moi me concentrer. Je dois vérifier. Ce sniper est protégé par un... Il parle encore de matos. Qu'est-ce que Fisk peut bien garder ici? Merde, je suis cramé! Je fais une marée! Restez vigilants! Spider-Man est là! Je laisserai passer personne! Normalement, je suis pas cramé, hein. Si? Je suis totalement cramé. Je suis totalement cramé! C'est dommage! Aïe! Aïe! Bon, je vais me faire shooter. Je vais me faire shooter parce que j'ai envie de la faire en mode discrétion. Ça me paraît très cool. Franchement, allez, tuez-moi. J'ai envie de la faire en totale discrétion parce que ça a l'air vraiment sympa à faire. Et je vous avoue que dès le début de l'épisode, j'ai pris un agréable plaisir à tuer un sniper. Donc je me dis pourquoi pas essayer de tout faire à la perfection. Par contre, j'ai pensé qu'il allait faire une élimination furtive, mais pas du tout. Il a foncé dedans et c'est ça m'a porté préjudice. Je devrais commencer par eux.
beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Ok. Le chef a décidé de rassembler tout ce qui restait ici. Donc lui, il est en danger. Enfin, il est en mode danger, pardon. Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Putain, je peux pas aller. Mon dieu. Attendez, parce que lui, il est fort ennuyant. Ok. Non, mais c'est pas vrai. Alors là, par contre, quand tu cours, c'est très compliqué à le gérer. Ok, frérot. Comment je peux te choper, toi? What? Attends. Normalement. Très bien. Ça va qu'il est sourd? Ah, d'accord. Y'a quelqu'un? Je le vois! Ok. Normalement, c'est bon. C'était très compliqué celui-ci. J'aurais dû activer là sur le coup mon super pouvoir, il aurait pas pu prévenir ses potes. C'était pas évident. Y'a lui qui me fait peur là-haut. T'as l'air de bien t'en sortir. Et puis, je peux pas, je monte la garde. Tu montes la garde? Tu vas aller loin avec ce genre de question. Ça m'a réussi plutôt bien. Au moins, c'est pas moi qui force comme un malade sur des tuyaux. Hmm. C'est quoi ce tunnel qu'ils essaient de condamner? Et où est-ce qu'il mène? Sans danger. Il y a un mec en face qui a trouvé des toiles d'araignée. Alors comment, par contre, j'en ai fichtrement aucune idée. En tout cas, il est très très fort. Comment on peut faire ici? J'ai ma petite idée. Est-ce que lui... Ok. Ok. Oh, le montage en l'air! Ça, c'était aux normes. La vache! Ok. J'ai peur, hein. Ça sert à rien de te cacher, je sais que t'es là. Allez voir Alpha 12, il a peut-être un problème de communication. Ok. J'ai peur, toujours. Est-ce que je... Attends, y a quoi pour faire du bruit là? Oh, je l'embarque, hein. Ça dégage. Soyez prêts à tirer. Viens là! Ouvre le feu! Ok, normalement il est mort. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Wouh! Ok. J'ai été touché un petit peu. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça aussi. Mais c'est pas fini non plus, Jackie. Voilà. On lui fait un ulti. On va aller sur lui là-haut. Ok, j'ai pris une balle. Une balle sur les trois, c'est raisonnable. Ok, c'est pas mal. Ouf, GG gros. Ok, c'est son pote Capri. Ça, c'est moi qui offre. C'est la maison qui régale. Hop, ça dégage. Waouh! Hop, ça aurait pu être impressionnant, ça, par contre, en vrai. Dommage qu'il y ait personne. Ok. Putain, le boss. Non, je déconne, c'était une blague. Allez, boum! J'ai mal à la main à force de faire toujours carré, c'est terrible, hein. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais.
C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale ? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom ? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes ? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Oh, il a l'air sympa. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, c'est pas Spider-Man. Très bien, jetez un œil derrière, c'est ce qu'on va faire. Jusqu'ici, rien de bien intéressant. Trouver un moyen d'entrer. Ok, on travaille le sujet avec mes mates. Sûrement derrière, non ? Là, ça me paraît pas trop dégueu, ça, en fait, cette histoire-ci. Non, peut-être par l'eau. Moi, je serais rentré. Là, on a une porte, non ? Hop, ça m'énerve. Ça, je casse, c'est gratuit. Ça m'énerve, il savait rien à faire là. Très bien, on a fait un tour, ça fait plaisir. Peut-être en haut ? Une cheminée, quelque chose ? Bon, l'avant est bien verrouillé, mais je suis sûr que le reste est beaucoup moins. Trouver un moyen d'entrer. Ça, désolé, c'est pour le spectacle. Si je suis débilos, c'est possible, hein. Possible qu'on soit passé à côté, mais mais ça serait dommage. J'ai trouvé. On est bon. On est bon, les gars. Petite aération, fallait y penser, hein. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée ? Jeff, vous êtes là ? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte ? Boîte de raccordement, ouais. Ouais, je m'en occupe ! Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Hop. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique ? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. D'accord. Je vais utiliser un pistolet, ça fait plaisir. Maintenez croix pour fabriquer une toile électrique. Waouh. Vas-y, on fabrique. Toile électrique débloquée. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est ? On verra plus tard. On verra plus tard. On va viser. Ok, c'est pas mal. J'adore ces nouveaux pouvoirs par la même occasion. Fan de gadgets, hein ? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non ? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier ? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux ? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Voyons si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. D'accord. Mais les détectent étant donné que j'ai fait... comment dire ? J'ai fait une quête secondaire où c'était détecté, excellent. Ok. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. Je m'attendais à plus grand. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre ? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Ok, très bien. Cherchez d'autres marques. Nickel. Y a rien à prendre là, vraiment ? Il y en a forcément sur les autres containers. Hein. Je dirais en face, peut-être pas là, non. Ok. Maintenant que je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. Rien ici. Bah, je sais ce que je cherche. Ouais, c'est pas... je sais pas exactement, mais on va essayer de trouver. Là, là, regardez, là, les gars. Il y a pas de traces là-dedans. Putain, il y a pas de traces, fuck. Où il pourrait encore y avoir des marques ? Ah d'accord, à l'étage.
GG les gars, j'y ai pas pensé. On l'a. On l'a, on l'a. Jackpot. Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super, j'arrive. Ok, le temps qu'ils viennent, on va repérer le boîtier. L'ascenseur est à chef. Il est là-haut. Bougez pas, je vous fais monter. Ah putain, le lourd. Ok. Premier étage, engrenage rouillé et gros rat des dieux. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Il est où le frérot là? Jeff? Jeffrey? GG, t'es le boss. Bravo! Belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Attendez. Ça continue là-haut. Hop, 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 hop. Ok, j'ai... Pas de soucis, c'est fait en 2 secondes. Il y a quelque chose que j'adore vraiment dans les jeux de nos jours. Je l'avais vraiment remarqué avec God of War. Et là, je le remarque avec ce Spider-Man. C'est qu'en fait... C'est ma grande baleine blanche. La façon... T'as toujours... Dans le mille. T'as toujours des surprises, tu vois ce que je veux dire? Avant, dans les jeux, dès les tutos, tu débloquais beaucoup de choses. Il y avait, bon, souvent un arbre de compétences, mais... T'avais débloqué quasi toutes les possibilités de faire des missions annexes, etc. Et là, tu les débloques au fur et à mesure. Et on a l'épisode 8. On a déjà et encore de nouvelles missions. C'est ça qui est incroyable. Rien. Et même des tutos. Je comme par exemple me demander si c'est pas un coup les jetons de recherche. Et moi, je Regardez trouve ça vraiment fascinant. En fait. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de Fisk parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Ok. Double circuit. Très très bien. On va passer ici. Ok, pas de soucis. Non mais attends. Si j'étais une boîte de raccordement, où je me trouvais? Quoi? Ah mm-hmm. On va faire monter ça. Là. C'est fait. Ah oui. Eh les gars. Toujours plus. Attends, tu vas pas le soulever avec tes petits bras là. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Qu'est-ce que c'est que cette galère? C'est quoi cette planque venue de l'espace un, là? 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Tu peux pas faire grand chose, hein, Jefferson. Hein. Je peux passer par ici. Bougez pas. Ok. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider? C'était quoi ça? Le métro, peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non, on aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte, vite. What? Ah, je suis Keblo. Allez, dépêchez. Ok, bon ça va, donne pas d'ordre frère. Oh, je fais déjà le boulot. Tranquille. C'est pas vrai, les démons sont déjà passés. Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service, essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Ou ça l'était. Le matériel non létal les intéressait pas. Ils ont laissé les fumigènes, les grenades aveuglantes, les recharges électriques. Apparemment, ils ont pas perdu de temps. Il y a des caisses vides ici. Et ils ont... Là! Ils ont fait sauter les verrous pour entrer! Chut! Des démons! Ah oui. Restez là. Sûrement pas. C'est du bon matos. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez. Police. Stoppez les camions. Je vous arrête. Soldiers Harmon. À couvert. Ok. Aïe. Bien joué! Fais
Salut mon boulot. Ok, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Je vais user de toutes les concentrations. Oh, GG la smoke, t'es le boss. Ah, bonjour la prime. Ok, c'est pour personne. GG le boss. Ok. C'est qui je sais pas qui jette ça. C'est presque impressionné. Un ami, un ennemi. Okay. Il m'a touché, hein. Il m'a touché, ce salaud. Il m'a touché aussi, celui-ci. Mais je comprends pas, là. Non, c'est pas un pote. Merci, je suis pas de refus. Je vais tirer. Ok. Derrière vous. Lui, c'est celui qui m'a le plus saoulé. Vous êtes là, qui était caché. Voilà, ça dégage. Bon, bonne chose de faite. Je tire. Écartez-vous. Ok. Wow, je vais mourir. Hein. Adieu les frères. Je vous kiffe les gars. Ok. Hop, je l'ai plaqué contre le mur. Putain. C'est chaud. Non! Oh non! Je vais tirer, tu peux tirer frérot, je suis mort. Je suis mort dans de bien tristes circonstances. Ah, coup dur! Le jeu est pas évident. J'en ai parlé avec Fufu, Dark Funeral 97, tout, hein. Et lui me disait la même chose, vraiment pas évident. Donc, on a tous nos moments de galère dans la vie. Hop! Et là, actuellement, c'est totalement un moment de galère. Ok. Parce que toi et ton bouclier, tu me casses les couilles. Voilà. Toi, c'est du one shot. Voilà. Toi, je te fais au camzer. Et toi, c'est terminé. Arrête avec tes smokes, toi. Hein. J'ai personne, tu commences à me gonfler. Ah, il reste. Arrête, j'ai personne. Mais c'est pas vrai. Stop. Oh, bien joué. Ça va? Partez, je vous rattrape. Mytho, hein. Impossible qu'ils me rattrapent. Vous le savez tous très bien. Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Ok. Bien joué, gros. Oh putain, c'est pas. Oh, c'est... Ah, ça, c'est les galères. Hein. Ça, c'est les galères, ça. Mais. Abuse pas. J'ai tué. Comment ça se passe pour vous? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. C'est quoi cette. Mais d'où Jésus? Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Je suis à deux doigts de bouillir. J'étais dessus, putain, les gars. Faut attendre que le triangle apparaisse. Mes couilles sont. Couilles sont leur con, hein. C'est con, hein. Oh, je suis qui. Oh, doux Jésus. Je vais bouillir. Mais c'est pas vrai. Je vais mourir. C'est bon, aucun souci. Ça continue, allez. Ils vont tuer des piétons. Allez, ça y est. Salut. Il reste une petite place. Ok. C'est bon tout. Bienvenue au drame. Ça c'est fait. D'accord, là c'était la première fois, donc je savais pas comment les prendre. Ça c'est fait. Ça. C'est fait. Ok, d'accord. Là, faut comprendre, les gars. Dites au moins, préparez-vous, quoi, qu'on soit prêt à quelque chose. Génial, la ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. Ok. Allez. Normalement, on est bon. Pas de soucis.
Jeff, le boss. Oh, il s'en bat les couilles. C'est quoi, Jeff? Oh, le boss. Oh non, Jeff, tu t'es fait rafaler ou pas? Oh non, Jeff. Oh, c'est bon. J'ai eu peur. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances? Agent Davis, Mary Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Oh, les boss! J'ai bien kiffé. Je vous le dis, j'ai bien kiffé. Je ferais bien un truc de fisc là, non? Vous en pensez quoi? Oh, je suis crevé. Temps de rentrer et de dormir un peu. Ok, augmentation de santé, niveau supérieur encore, un point de compétence, ça va très très vite. Oh, voyage rapide! Yes, pour aller à mon appart en plus! Pour effectuer un voyage rapide. Stylé! Mais j'ai pas envie de le faire, je suis obligé. Ok, bah on y va les gars. Dommage, je voulais faire une petite planque de fisc, mais apparemment, on direction l'appartement. Peut-être une cinématique avec Tante May. Débarre, il parle, hein. Il prend le métro au calme et il parle avec un mec à mon cosplay. Excellent, j'adore. Et ben vous savez quoi, j'ai pas envie d'y aller. Donc on ne va pas y aller. On va regarder la carte. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc de fisc? Attends, déplacement rapide aussi. Très bien, mais là aussi service de police, il y a des déplacements rapides un peu partout. Ah non d'accord, il y en a que 3. Ok très bien, on a un truc de fisc ici. Par contre pas de déplacement rapide dans la zone. On a une mission annexe. Très bien. On a un repère de fisc encore. Mais celui-là a été fait. Ok. On a quoi dans la zone? Bon allez, on va faire ce centre de recherche. C'est ce qui me paraît le plus près. Et je pense pas que ça va être bien chiant. C'est des petites missions assez sympas. Et on aura un jeton de repère. Et puis on va s'acheter un nouveau costume dès le prochain épisode. On va, je pense, commencer par... déjà voir la cinématique dans mon appart. Ça commence à être chaud, la guerre des gangs entre fils et les démons. Je sais. Calmez-vous, les gars. Même Shocker est parti. Je me fais roquetter au calme dans la rue. On se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer fils? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. Allez, on a un nouveau repère de recherche. Donc, prochain épisode, on commence directement par un repère de fils. Voilà. Et ensuite, on fera les quêtes principales. On continuera notre aventure. Et puis, on prendra une nouvelle tenue. Surtout, ça peut être cool. Allez, on y va. On l'a fait direct. Pas besoin de lire la description. Cette station est simple, mais essentielle. Elle mesure les toxines dans l'air avec une précision bien supérieure à ce que sait faire la ville. La pollution touche en premier les enfants et les personnes âgées. C'était important pour ma mère. Si j'en crois ces données, le taux de dioxyde de soufre est anormalement élevé. D'après mon intuition d'araignée, c'est sûrement dû à un problème de peau d'échappement. Okay. Avec des échantillons, je devrais pouvoir identifier le modèle en question. Passer dans des nuages. Très bien, on l'a déjà fait. On peut le refaire, ceci n'est pas un problème. Ok, on y va les gars, calmement. Ok, celui-là c'est bon. Ah par contre les nuages là sont plutôt bas. Très bien, ah, 8 aussi. Ça va se faire assez rapidement je pense. Pas mal. On va faire le petit circuit. Encore quelques échantillons. Tu mets où tes échantillons là? Moi, je sentais bien mauvais. Je sais pas où il met ses échantillons.
Ça risque d'être terrible. C'est bon. Ok, concentration pleine. J'en ai pas vraiment besoin pour le moment. Encore un, et ça devrait être bon. Ok, on va faire celui qui est tout pas, Spidey. Courage. Et voilà, bonne chose de faite. Bon, maintenant qu'on sait du savoir. Reste avec nous. Nous avons apparemment trois coupables. Ok. On va devoir prendre des photos maintenant. Allez, on passe en mode photo. Ah, la photographie. Comme au bon vieux temps du Bugle. Tout était si simple à l'époque. On va passer par ici calmement. Oh putain. Et deux. Allez. On est parti, il y en a une qui a 700 mètres, tellement loin. On va garder le mode appareil photo. Ah, c'est dommage que j'ai foiré en plein vol. C'est pas grave, on se rattrapera plus tard. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal ce que je suis en train de produire là. Non mais c'est bon, concentration pleine, comment ça? À quel moment j'ai perdu de la concentration? Dans la boîte. Ok, lui c'est fait. Aucun souci. Il en reste plus qu'une qui est juste ici. Et boum! Jamais 203. C'est terminé. Et voilà. L'ordre de rappel devrait bientôt suivre. Merci l'araignée sympa et éco-responsable du quartier. Et on va s'arrêter là. On a eu pas mal de jetons jusqu'ici. Il reste quelques centres de recherche en plus. D'accord, ça m'a TP en haut, retourne à la maison, très bien. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. A bientôt tout le monde, ciao ciao. Hop, j'ai disparu. Essayez de deviner où je suis caché.